Je vais vous lire celle-ci, mes chers parents, ma chère mère. C'est vrai que je ne sais pas si je vais avoir le courage de la terminer, mais c'est une lettre très 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 émouvante. Vous l'avez lue Bien sûr. D'accord. Oui, bien sûr, plusieurs fois en plus. Alors, mes chers parents, ma chère mère, je vous écris cette lettre, je ne sais si c'est la dernière. Dieu seul le sait. Toutefois, s'il m'arrive quoi que ce soit, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Car la mort pour la cause de Dieu est une vie qui n'a pas de fin. Et la mort pour sa patrie, ce n'est qu'un devoir. Vous avez accompli votre devoir puisque vous avez sacrifié l'être le plus cher pour vous. Ne me pleurez pas et soyez fiers de moi. Je peux finir. Enfin recevez les salutations d'un fils et d'un frère qui vous a toujours aimé et que vous avez aimé. Ce sont peut-être là les plus belles salutations que vous recevrez de ma part, à toi ma mère et à toi mon père, ainsi qu'à Nora, Lhouari, Hlima, Lhbib, Fatma, Khaira, Saleh et Dinia, et à toi mon cher frère Abdelkader, ainsi qu'à tous ceux qui partageront votre peine. Allah est le plus grand et il est seul à être équitable. Votre fils et frère qui vous aime de tout son cœur. Hamida. Le plus jeune frère Abdelkader qu'on salue ce soir et qui nous a beaucoup aidés. Il ne se souvenait pas de beaucoup de choses, mais au niveau des détails, il arrivait à nous donner les petites informations qui font la vie. Quoi. Excusez-moi,